ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأما بعد قال الله تعالى في القرآن الله تبارك وتعالى ده قرآن لجنو قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم لجأ محمد الله سبحانه وتعالى ده ساعية لا يبي على ليس على قفت محمد صلى الله عليه وسلم وجلي جيا زد محمد بجيا جنو certainement, certainement, c'est l'amour qui nous besoin sauver de là, c'est lui qui pouvait nous en nous, certainement, qui pouvait nous en nous. De là, frère et soeur en islam, nous avons trouvé qu'il est de nature insane. Ce qui s'est fait, il n'est pas content de vous. J'ai un dimoun, mashallah, une guerre promotion, il est content. J'ai un dimoun, mashallah, deux enfants, une bien fait de l'examen. Ces enfants, ils sont aussi les lauréats. De Liban, bonbon nouvelle. Ils sont contents de rire. Mais les gens qui ont dit, ils sont docteur, ils sont condamnés. Ils commencent à crier, pleurer. Lui-même, c'est ça, du monde n'a même connu dans quelle situation il est venu ça. Quand il est concernant l'amour. Parce qu'il y a une qualité, ça. Ne pas rouler ou ne pas content. Allah subhanahu wa ta'ala, frère et son islam, il fait nous connaître qu'il a un mot par nous qui va le retenir. L'île peut nous retenir. Le moment qu'un insan prend naissance, c'est un moment-là qu'il finit connaître pour vous. Tout insan qui n'a de salat et la frère et son islam, tout bon créature qui n'a l'autre, je vous oblige parce que ce qu'on appelle al-maut, ce qu'on appelle l'amour. Demain, vous êtes capable dans un autre pays. Je ne peux pas sa moitié dans le monde. Ou bien nous capable de la mer de bateau. Quand il a dit voulait pour qu'il nous aille, être sûr qui la personne qui peut quitter dunya. C'est pour cette raison-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est antique, qui est tout dans le Tirmidhi, les gens, akthiru dhikra, hadim al-lathar. Les gens pensent beaucoup à celui qui bovine pour couper toute bonne jouissance. Pense beaucoup l'eau là. Manger bois, briani, jerry prière, tout bon bon menu, tout bon bois, pour un rasmala, c'est pas la situation à la personne islam à l'Ouda, c'est un bon plaisir quand nous mangeons, nous boissons, nous comptons. Madame, c'est un plaisir. Le tout, je dis le tout, un la case qui est remplie avec confort, richesse, enfants, c'est pas une puissance qui n'a pas de lumière à ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit à nous, pense beaucoup à sa petite chose, à celui qui peut venir. Il peut venir pour faire quoi? Il peut venir pour couper toute sa bonne puissance là. Salam confort qui nous permet là, pense beaucoup à sa petite chose qui peut venir pour couper salam confort là. Sa jolie transport qui nous met rouler là. Bonne bons enfants qui nous est là. Sa bonne commerce qui nous est là. Pense beaucoup à sa quitteuse qui peut venir, qui peut venir couper sa bonne puissance là. C'est quoi? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Ya'ni al-maut, c'est-à-dire al-maut, c'est nous l'amour.
Frères et sœurs en islam, ça c'est une petite introduction, le sujet qui nous permet d'amener. Au fait, le khutbah pour aujourd'hui n'est pas un khutbah qui nous propose de pour l'amour ou l'amour, mais seulement le sujet qui est avec nous pour aujourd'hui, c'est Bansin d'être l'amour. Comment nous pouvons connaître un djimoun, les vingains, les bansin l'amour? Est-ce qu'il y a le Coran qui nous permet de commencer dans ça, c'est qu'un bon amour existe? Est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous déjà fait nous connaître qui est un bon amour qui va nous gagner? Ça nous contrôle un bon amour. Oui, frère et soeur en islam, dit Allah subhanahu wa ta'ala, fait nous connaître qui est un bon amour qui est bon, mais qui est un bon signe que ça dit mon amour. Est-ce qu'il ne va pas voulu apprendre ensemble? Dans ces quelques moments-là, commencer à bâtir d'un bon amour. Et ça bâtir la pression du sang, et ça bâtir l'amour-là, et ça bâtir l'implication là-dedans. Qui bâtir l'implication, quand nous prenons une bâtir là, aussi bien nous prenons une seule implication. Premier, nous disons bien, il y a plusieurs signes qui montrent nous qu'un démon a un bon amour pour la permission d'Allah. Mais seulement de sa tigite qui est en là, nous ne sommes pas capables d'amener tout. Attention à quoi c'est qu'il nous cite là, ça même. Non, il n'a pas au cours. Nous, pas premier, c'est prononciation Kalimatu Tawhid. C'est la ilaha illallah avant la personne ni en l'âme. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est authentique, qui trouve de Abu Daoud, ce hadith-là, rapporté par Mu'ad ibn Jabal, radiallahu anhu, il dit à nous, il lit Rasul sallallahu alayhi wa sallam ibn Jia. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. C'est lui qui se dernier parole, ce dernier phrase, c'est la ilaha illallah, il pourra être dans jannah. Veut dire après sa phrase la ilaha illallah, il va vous prononcer encore phrase. Sa même dernière phrase qu'il est cité de la terre, ensuite il finit mot. Une personne qui vient prononcer sa phrase là, la ilaha illallah, ensuite il fait wafat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître qui les pourront de Jannah, sa musulman là. De là, on trouve valeur, vertu et l'importance de quoi? De at-tawhid, l'unicité, Allah subhanahu wa ta'ala. Frères et sœurs en islam, dans un moment, ça carotte pour qu'un djimoun, les récits prononcent une phrase pareille. Les grandes phrases qui existent sur cela, là, la ilaha illallah. Pour qu'ils me récits prononcent ça, comme ça, ça. Là, nous sommes capables de s'éteindre. En route, nous sommes capables de s'éteindre. Dans la carte, nous sommes capables de s'éteindre. Mais dans ce moment, ça carotte là. Pour qu'un démon, les récits prononcent un seul mot, ça saisisse. Illaha marrahimallah. Disban, c'est qu'Allah, il fait pitié de lui. Nous ne disons pas un démon quand il est sa carotte. Comment il peut baver? Il n'a comment skimer? Il n'a comment s'appeler tout en bas? Il commence à battre. Dans un moment pareil, capable de prononcer ça, ça là. Est-ce que dans un moment pareil, il facile ça pour prononcer la ilaha illallah? Frères et sœurs en islam, si nous, une personne de nous vivant, nous t'habitions à prononcer la ilaha illallah. Le nous la langue, t'habitions à la ilaha illallah. La ilaha illallah, de nous travail. Nous t'habitons la ilaha illallah. Dans le travail, dans le masjid, quand nous pouvons passer le chemin, nous pouvons aller dans le tour, nous pouvons te siquer. Si nous t'habitons à prononcer ça, Inch'Allah, Allah continue à faire. Il faut aider pour prononcer ça. Et à Tawhid, frère et sœur en islam, si moi, une personne, moi, je peux vivre la ilaha illallah dans mon dunya, je veux dire, moi, une personne, moi, je peux adorer Allah seul. Moi, pas, je peux faire shirk avec Allah. Tout le monde doit, tout le monde demande, tout le monde, ibadah que tu peux faire, moi tu peux faire ça, c'est pour Allah. Non plus, moi tu peux porter à Allah, sa divinité. C'est comme ça, frère et sœur en islam, que Allah subhanahu wa ta'ala, il peut aider nous pour prononcer sa phrase là. C'est kalimatu tawhid, de nous, sa carotte. Ça, c'est premier. C'est kalimatu prononce, kalimatu tawhid, avant un djimoun de quitte dunya. Déjà, mes frères et sœurs en islam, déjà un signe qui montre nous qu'un djimoun ne fait pas un bon amour, c'est transpiration du front. La personne, son front lit, transpirer.
pas des semaines faut dire le second qu'un bon noir, mais parce que transpirer même. Dans un hadith qui tout dans un Nasa'i, mais seulement frère et soeur islam, avant d'amener un hadith là, nous avons une bonne application. Fait comment dire, un timon de survivant, l'ici un bon timon, l'île au Tawhid, l'hiver, ce 5 fois sur la damasite, c'est une personne qui peut lire le Coran. Quand il dit même Masha'Allah, Sunnah, tu peux apparaître dans le lit, c'était un bon dimanche, tu peux faire une bonne action. Ce travail, c'est halal, ce madame, ce banzafa, tout habillé bien convenablement, Alhamdulillah. Les fins mots, ce faux qu'il finit transpirer, vous dites Masha'Allah, ça c'est un bon lamo, parce que la personne qui est arrivée, ce faux qu'il transpirer, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit nous ça. Mais seulement, vous dites bien, mais seulement, si un dimanche de survivant, il y a un musulman, oui, mais c'est moi qui n'ai pas fait même namaz. Nous devons dire les courses, disons le tri. Pena avec l'Allah d'Ali, un dimon veut dire ce travail même haram, il pena dit même d'Ali, il loi de l'Udin, ce dîne bien bien fait. Nous devons que tu ne passes pas les jours, ni de Hadimoun, Dimoun Perot, ni pour battre, il y a une bonne relation haram avec une madame en dehors, si pas le, ça Dimoun n'a pas dire. Du tout, il va dire si pas sauf qu'on a transpiré d'une façon, sa personne n'a pas retardé. Sa personne n'a pas retardé. Quand à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit nous, dans un hadith qui est dans Abu Daoud, dans un Nasa'i qui est authentique, rapporté par Abdullah ibn Buraydata, radiallahu anhu, sa sahabila, par rapport depuis ce papa, il dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, finit si l'amour d'un mu'min, c'est transpiration de ce front. Rasul Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dit Mautul mu'mini bi'arit al-jabin. Ce qui au fait la personne, ce front, lui transpirer. Qu'il soit un monsieur ou un madame, lui dit bien. Si c'était une personne qui obéissant, je te vis, je te dis. C'était une personne qui peut faire sur la tchile ou taouhi, nous capables de dire que la personne qui gagne un bon amour. Quant à troisième signe d'un bon amour, c'est un djimoun limo, il décale le jour du vendredi. Vendredi, quand on commence d'ordine, il commence zedi maghrib et il termine vendredi maghrib. Zedi, comment on arrive? Namaz maghrib, n'arrive les maghrib, nous finirons de la nuit vendredi. Et pour moi, finir vendredi maghrib, nous finirons le jour du vendredi. Nous retiens bien, le jour vendredi, l'ordine Allah dit commencer zedi maghrib et dit terminer vendredi maghrib. Si une personne fait un mot dans ça les temps-là, si le mot s'ajoute là, qu'il soit ouvert le jour du vendredi le matin, ou bien il fait un mot le soir, la nuit vendredi, zedi après maghrib, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est authentique, qui tout la Tirmidhi, là-dedans, Abdullah ibn Amr, radiallahu anhu, dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dit Ma min muslim, yamoudu yawm al-jum'a, ou laylat al-jum'a, dit nous n'avons aucun musulman qui meurt le jour du vendredi ou la nuit du vendredi. Ça a dit hadith d'appli pour le jour et la nuit. Qu'arrivait illa waqahullahu fitnat al-qabr, excepté qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui protège sa personne contre fitnat al-qabr. Un musulman qui fait une mot le jour du vendredi, ou bien il fait une mot la nuit du vendredi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui fait nous connaître frères et sœurs en islam. Qui sa personne, Allah subhanahu wa ta'ala, lui protège lui contre fitnatul qabr, veut dire par punition, qui est nada qabr. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li walakum, wa lisa'il il mu'minina min kulli dhunub, fa astaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وتم التسليم
على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد frères et sœurs islam, le sujet pour aujourd'hui c'est bâti d'un bon amour. Le premier khutba, par permission Allah, alhamdulillah, nous fait amener trois signes qui montrent nous c'est un bon amour. Maintenant, pour nous déjà un khutba, nous continuons avec le quatrième signe d'un bon amour. Nous disons bien dans ce khutba, si une personne qui est survivante, qui est tawhid, si une personne qui fait un namaz, qui soit une mission ou une madame, qui est obéissant envers Allah, ce travail halal, ce commerce halal, habillé, lisez madame, vous habillez convenablement, c'est un adine. Ça, quand il dit que c'est une qualité, on ne peut pas dire c'est une personne qui fait un bon amour pour la permission d'Allah. Mais quand il y a un fadir, un fasif, un désobéissant, un musulman, mais seulement c'est un désobéissant. Et là, cela lui remplit avec désobéissance, ni dans le haram, ni dans le namaz, ni dans l'eau, ni dans l'intérêt, ni dans la boisson alcoolique. Sa personne n'a fait son islam, il va dire qu'il est là-dedans. Quant au quatrième point, c'est l'amour à cause d'une maladie vente. Un djinn qui est une mort avec une maladie vente. Hadith là, il n'est pas fait faire connaître, il n'est pas spécifié aucune maladie. Veut dire toute bonne maladie vente qui est un djinn qui a gagné. Ça fait amène sur l'amour. Basanlo nous dit, frère et soeur en islam, ça dit mon âme qui gagne un bon amour. Demain, il est capable de gagner si pas une affaire d'opération. Une malade la personne, ou bien une gagne cancer, soit une gagne glissière, peu importe qui va une maladie, une gagne de vente. Et ça, fin amener vers l'amour, ça dit mon affaire de son islam, il fin gagne un bon amour. Hadith de Sahih Muslim, rapporté par le Sahabi Abu Hurayra radiallahu anhu, il dit à nous qui, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, wa man mata fil batn, fa huwa shahidun. Et celui qui meurt à cause d'une maladie de ce ventre. Nous voyons bien, n'importe quelle maladie, un djimoun qui gagne de ce ventre, ça fait une faire mort, sa personne est considérée comme un shahid et pas oublier une bonne implication qui nous fait attache avec une bonne voix. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit wa man mata fil bad, celui qui meurt à cause d'une maladie de ce ventre, fa huwa shahidun, alors il fait un shahid. Je veux dire, ça c'est un signe d'un bon amour. Quant à cinquième signe d'un bon amour, frère et soeur en islam, c'est un celui qui fait mort en défendant ce dit bien. Un djimoun, il fait défendre ce dit bien. Celui qui fait l'amour, là, ça c'est un bon amour. Et il y a des fois, frère et soeur en islam, qui les sont et là-dedans, ça montre nous qu'il y a richesse. L'argent, un musulman, il sacré ça, il n'a pas lié ça. Et là, je n'ai pas capable de dire comme ça, moi, pour que vous dites, ah, il est quoi. Faut pas rien faire cacasse, moi. Ça, il faut quitter pour aller ça. Mettez un billet de devant nous, en règle là. Nous, tout qu'il a fait son islam, nous gagne, traque à l'argent. Nous, tout qu'il a, nous comptons, on a l'argent. Mais seulement, nous faisons faire des efforts dans ce qui est halal et nous quittons tout ce qui est haram. Parmi les douas que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui fait pour Anas bin Malik radiallahu anhu, un sahaba qui peut faire khidma de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il veut dire oh Allah, augmente ce dit bien. Pas de nino, oh Allah, augmente ce dit bien. La question posée, est-ce que nous, en tant que celui qui a l'iman, est-ce que nous gagnons le droit au dit bien? Oui. Si vous pouvez gagner dit bien, sa quantité là, mon gagne sa quantité là, est-ce que vous gagnez le droit? Oui, vous gagnez le droit. On a un commerce, masha'Allah. Mon travail, libéré pour moi beaucoup, alhamdoulilah. Moi, en 17h, on a un droit, on a un droit. Tant qu'il commerce, ça est halal. Ok, continue, qui fait le fais comme tu envie. Dis, Allah va en faire tout pour qu'il nous cherche une lumière. Nous recasse. Nous gagnons casse parce que c'est pour manger, pour boire. Nous mettons dans le lin, dans le ferrage, dans le ferrage, nous donnons sur la femme, tu es à quatre. Dis, Allah va en faire tout pour qu'il nous casse. Mais seulement, les crimes de nous, pour en faire autant de bon, mais par contre de ce qui haram. Par contre de ce qui haram. Une personne qui peut défendre ce dit bien, fait comment dire, moi, un petit monde, vous pouvez aller en route, mon amour, mon idée, mon pouce,
Kobedja ici dit bien là, mais Kobedja pour million, milliard, même un roubis, des roubis, 50 roubis, 100 roubis. Dis bien, pas dis bien ça. C'est mon cas ça. Si nous trouvons du monde une ville coquin moi, hein, pour faire la guerre avec lui, nous défendons nos cas, nous remettons la main dans mon poche, pour faire coquin mon madame Sokaba qui n'a qu'à ça. Nous nous disons avec lui, c'est pas du monde, le final, tue sa personne qui veut défendre ce dit bien là, sa personne qui gagne au peu de corps. Pourtant, qui l'imper, qui nous dit défendre ce dit bien, qui a la vie de lui. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans son Sahih al-Bukhari, un hadith rapporté par Abdullah ibn Amr, radiallahu anhu, il dit, nous fin dan, nous fin écoute, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dit, man kutila duna malihi, fa huwa shahidun. C'est lui qui fin mort en défendant son richesse, alors, il est un shahid. N'importe qui dit, on peut reprendre nos richesses, frère et son islam, qui nous vise à faire donner ça? Non. Défendre nos richesses. Défendre nos richesses parce que c'est une chose qui est sacrée ça. Si on peut défendre sa richesse là, c'est que pour moi, nous peut dire là, c'est que halal. Si nous peut défendre ça, nous arrivons à perdre la vie, frère et soeur en islam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit fa huwa shahidun, alors sa personne là, libin el shahid. Libin el shahid. Maintenant, le signe d'un bon amour, frère et soeur en islam, c'est une personne, limo, avec maladie tuberculeuse. Tuberculeuse. Dans ce hadith-là, il précisait. Mais quand la maladie vente, ça les rame le général. Tout maladie vente, qui fait du monde, par roi shahid, l'in shahid. Ici, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait connaître. Une personne qui fait mourir avec maladie tuberculeuse, ne parle pas l'esprit tuberculeuse, non. C'est lui qui fait une mot avec sa maladie. Pas celui qui est la maladie, mais celui qui fait une mot. Qui arrive? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le dit dans un hadith authentique qui tout dans Majma'u Zawa'id, le dit wassallu shahada. Et mot avec maladie tuberculeuse, c'est shahada. Il est considéré comme un shahid. Subhanallah. 10 mots avec sa maladie, frère et soeur en islam, dans le dîn Allah, il est considéré comme un. Bon signe comme un bon amour. Quant à septième signe d'un bon amour, frère et soeur en islam, c'est la noyade. Un djimoun mou noyé. Un djimoun mou noyé. Nous disons bien, c'est pas de trouver les trois bateaux, c'est pas l'île de Serf, ou bien c'est pas l'île qui l'île pour l'inalé. Il le Zegret, c'est pas l'inalé, il mange, il boit, c'est pas l'île de Gadjak. Il boit, il consomme la boisson alcoolique, il peut retourner, il ne va pas être capable de faire ça pour le bateau, il tombe, il meurt. Ça non. Il ne va pas pour ça. Ça parce qu'il donne l'hymne, il consomme haram, il gagne bêtise, pas le. Le budget est un cas général pour un celui qui a iman, un bon timon, il fait son lac, il est au hid, le budget est avec Allah, c'est un obéissant, ça, un petit chose. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith de Sahih al-Bukhari, rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire 5 qualités du monde, c'est ban shahid. Il y a 5 qualités du monde, quand je meurs, je le considère comme shahid. Qui ça s'appelle ça? Premier, un qui fait mourir avec maladie la peste. Maladie la peste, c'est une épidémie ça. Qui cause ça, tous un du monde, du monde, qui commence malade et lui modèle. Un djimoun qui fait mort avec maladie la peste, il est considéré comme un shahid de l'ordine Allah. Deuxième frère et soeur en islam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le dit, un qui fait mort à cause d'une maladie de ce ventre, ça nous finit expliquer, alhamdulillah. Troisième, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit, c'est lui qui fait mort noyé. Une personne qui fait mort noyé, il est considéré comme shahid de l'ordine Allah. Et quatrième, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le dit, c'est lui qui quelque chose depuis là-haut fin tombe l'ori. Une personne peut mourir frère son islam, ou bien qui action qu'il peut faire, qui est halal, nous trouvons un qui chose fin sap là-haut, il tombe l'ori sur la tête, c'est pas une casse sur le cou, une casse sur la tête. Sa personne là, il fait une mort, connaît un shahid d'ordine. Ceci, un bon amour.
Et quant à cinquième, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, et un celui qui fait nous dans le chemin, Allah subhanahu wa ta'ala. Frère et sœur, l'islam dans le khutba, nous finissons sept signes d'un bon amour, nous dit bien, et n'a encore pas de signes qui montrent nous un bon amour. Et n'a pas de hadith nous là, mais faute d'état dans les 30 minutes, nous ne sommes pas capables, amen, concernant plus à 20 points là. Qui fait nous dire ça pour qu'ici, nous ne pas à le prendre, à le penser qu'au fait, il n'a dit 17 bon amour dans l'île. Ça cause. Mais il n'a encore plus, faute d'état, nous ne sommes pas capables, amen, tout. Et nous faisons dua avec Allah, qu'il fait nous. Profiter avec ce qui nous fait écouter et de faire nous mettre en pratique ce qui nous fait écouter et que Allah subhanahu wa ta'ala il fait nous venir dans le musulman qui nous commence à apprendre concernant ce dîme qui est authentique et nous faire dua avec Allah subhanahu wa ta'ala qui accepte tout bonne action qui nous vient faire et qui nous pouvait faire. Ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Debout de mon avance.